bébé. Comme un bébé qui veut son cadeau et voilà. Alors je l'ai fait. Comment vous sentez là? Champion du monde? Comment? Non. Ouais, je me sens champion du monde. J'ai battu un gars qui a fait 7 championnats du monde. J'ai pas battu un peintre. Hein. J'ai battu un gars qui est jamais allé à faire en 42 combats. Je veux dire, je me sens plus la championne du monde. Je me sens plus jamais champion du monde. Hein. Ah oui, oui. Non. Bien, question. Le petit cacou des quartiers nord a réalisé son rêve. C'est la preuve irréfutable qu'avec des tripes, on peut décrocher la gloire. Pour le vestiaire du nouveau champion du monde WBA des mi-lourds, Mehdi, une heure après le combat, est-ce qu'on a réalisé l'exploit? J'en ai rêvé. Mehdi l'a fait. Ouais. Avec mon entraîneur, ça ne pouvait pas nous échapper. Avec l'entraînement que j'ai reçu, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible que ça m'échappe entre les mains. Et j'y croyais. Honnêtement, il y avait plus de croyance que pour moi. La motivation, elle était là à 100% et ça pouvait pas m'échapper. Quelle image vous conservez de cette journée qui est finalement fantastique pour vous? Pour moi, c'est un rêve encore. Je suis encore dans mon nuage. Et ben, j'espère que demain, quand je vais me réveiller, elle va être encore là. Il n'y a pas un moment particulier là dans la journée? Dans la journée, qui m'a fait vraiment plaisir au départ de la journée, c'est dans la limousine. Et ben, j'avais deux motards devant qui faisaient la circulation. Ah ouais, c'était vraiment terrible. Et de toute façon, vaut mieux les avoir devant que derrière. Hein. Et voilà, ça. Et aussi, c'était une journée magique. Et aujourd'hui, je me sentais bien. Il y avait le soleil à Marseille. Et aujourd'hui, c'est ma journée. Mais tu vas le faire. Et voilà. Et là. Finalement, la vie de moine, ça vous réussit. Hein. C'est vrai que la vie de moine a été très dure au domaine de Tournon. J'ai eu beaucoup d'interdits, mais surtout ça a apporté ses fruits quoi. J'ai fait le pas qu'il fallait faire et aujourd'hui je suis dans la sérénité. Et le programme maintenant? Le programme, eh ben, je verrai plus tard, c'est mon promoteur Michel Caillès qui va le faire, c'est son boulot. Aujourd'hui j'ai fait le mien et je pense qu'il sait faire le sien. Et là, dans les prochaines heures, là, le programme? J'aimerais que je te le dise. Non. Déjà, un bon petit repas.